La bibliothèque a sorti dans la République dominicaine. Il est lancé plus précisément dans l'année 2005, septembre 2005. Et la bibliothèque a sur le marché dominicain fait un pile succès. Moun yo remèl en pile. Donc, peu à peu, la bibliothèque a commencé à prendre l'autre marché. Donc, la bibliothèque est arrivée sur l'autre pays, les gens des frontières dominicaines, et elle atterrit côté nous en Haïti. En Haïti, les consommateurs remèlent en pile. Ils remèlent parce qu'ils remèlent goût, la bibliothèque, et ils remèlent emballage là-tout. C'est peut-être ça. Brasserie nationale, dans l'idée de brasser l'argent dans la vie de chaque Haïtien, décider d'acheter droit pour les représenter, produit la bénédicta en Haïti en mars 2019. So nous venons avec la bénédicta importée en Haïti. Konya, jeudi, nous décidons de faire la bénédicta production locale en Haïti. Et c'est peut-être ça nous réunissons jeudi pour nous célébrer l'événement ça. Konya, si nous expliquer nous qui ça qui la bénédicta. La bénédicta, j'en nous connais là. C'est un alcopop, il y a une étiquette, un emballage métallique, j'en ai encore là. Et mes productions locales, c'est un boisson alcoolisé de 5% alcool. Production, avec production locale, la Benedicta, ils sont bouteilles de 275 ml. Konya, si nous besoin prendre pour qui ça, brasserie, en fait production locale, la Benedicta. C'est trois gros raisons qui font nous faire. Premièrement, nous avons la Benedicta disponible beaucoup plus sur le marché haïtien. Donc, nous avons satisfait tous les consommateurs. Deuxièmement, nous voulons développer la catégorie ça que Bénédicta fait partie de l'IA. Pour nous développer la catégorie ça, nous commençons avec la Bénédicta parce que pour le moment, les représentants la catégorie alcopop. Mais troisièmement, et qui c'est la plus grande raison qui fait nous venir avec elle, c'est parce que nous voulons donner aux consommateurs l'opportunité pour acheter à un prix qui est beaucoup plus abordable. Sur la Bénédicta, ça, je dis, vend pour 75 gouttes. Donc, les vins plus abordables, les vins plus disponibles et la brasserie nationale a continué à brasser l'argent dans la vie de chaque haïtien. Konya, qui trois messages si nous sortons là, nous avons nous kembe. Trois messages, c'est que les produits par brasserie nationale d'Haïti, la caille nous en Haïti, Konya. Deuxième message, là, c'est que les vins pour 75 gouttes. Et troisième message, c'est que bouteille ça, les retournables. Étant donné que les produits en Haïti, ça veut dire que nous avons besoin de bouteilles là pour nous continuer à satisfaire les consommateurs. Nous. Donc, bouteilles ça, les retournables. Lancement officiel Bénédicta local en Haïti. Et nous avons parlé de qualité produit ça. Normalement, on a parlé de catégorie que tu as avant tout. D'extrêmement important pour comprendre. Et Bénédicta, c'est l'artistique. Mais qui ça partit à Bénédicta, c'est ready to drink. Ou du moins, c'est prêt à boire. Comment que c'est un produit alcoolisé qui mélange avec vous, soit un jus de fruits ou bien qui mélange avec boisson gazeuse. Mais dans le cas par exemple, Bénédicta lui-même, c'est un boisson alcoolisé qui mélange avec une saveur de pomme. C'est ça peut-être que nous avons une petite odeur avec une pomme dans la main. Qui est différente du cidre, que nous avons une présentation à côté, qui est un cider, côté que lui-même, c'est un produit alcoolisé qui découle de une fermentation de jus de pomme. Donc, c'est différent ça qui fait entre cider avec Bénédicta Panon qui c'est lui-même, You RTD qui c'est You Ready to Drink. C'est un produit de haute qualité. Nous, pendant que nous faisons la production locale, nous assurons surtout que la qualité du produit est respectée, tous les ingrédients que nous supposons mettre là-dedans, nous la donnons et que c'est un produit vraiment de haute qualité avec une bouteille qui est très sexy, comme je ne l'ai pas vu maintenant là. Et que ça qui est important pour nous connaître encore une fois, c'est un produit qui, bouteille là, est retournable, faut que nous retournions bouteille ça après que nous finissons d'utiliser. Après 45 ans sous béton, hein, Brana est toujours son partenaire dans la communauté. Hein. Nous avons un projet petit mien en côté nous-mêmes, nous sommes très impliqués dans 5 départements dans le pays. Hein. Côté nous avons 15 000 fermiers que nous avons supportés. Petit mien, ça lui-même, c'est lui que nous servit pour nous faire bien par nous, en réalité. Et après le projet petit mien, ça que nous avons, nous avons l'autre bel projet que nous avons dit la presse pour nous. Pour la presse nous supporter, nous la donne, c'est pour nous un projet de recyclage que tout et petit yo, petit bouteille plastique yo que n'a metté dans la rue que nous gon compagnie que n'a fonctionné avec qui pour ramasser tout sous dans la rue pour ne pas gagner problème, nous un problème plastique là
qui la cap affecter communauté noire pour nous ca gagner une meilleure gestion de plastique ça. Donc demandez-nous s'il vous plaît monsieur la presse pour nous encadrer nous sur ça et n'a pas venir inviter nous pour nous ca venir plus ouais n'a pas inviter nous dans brasserie pour nous venir ouais travail que n'a fait parce que nous connaît brasserie nous pas là seulement pour nous vendre produits nous pour nous vendre bière pour nous vendre soft drink mais nous là tout pour nous accompagner communauté hein pour développement communauté hein avec pays hein.